Et salut à tous, c'est Anthony 156. Aujourd'hui, on se retrouve avec Fred. Salut à tous. Le seul et unique qui reste dans la team. Eh ouais. Bon, on va faire la route, on va direction l'Allemagne. Et on va vous expliquer pourquoi on n'est plus que deux dans la team à jouer. Parce qu'on a remis un ami à moi, mais voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer, Fred? Hein? Est-ce que tu veux commencer à débattre sur ce sujet? Bah, vaut mieux que tu commences parce que. Ouais. Hop. Attendez. Bon. Route mal. Alors, en fait, on n'est plus deux. Parce que Jérémy, il est parti du jour au lendemain. Et là, c'est pas un prank. D'accord? Je freine mon camion, c'est arrêté tout seul. C'est pas un prank, c'est pas parce que. Ouais, super! Il va pas revenir tout ça, c'est juste en fait il a décidé de partir, on ne sait pas pourquoi. Sur Facebook il m'a posé à moi et Fred des questions si on était avec les grévistes ou contre. Fred, je vais laisser après à sa réponse, mais moi j'ai répondu je suis entre les deux, tant qu'il ne casse rien. Puis du jour au lendemain il me parlait plus et puis Fred et toi t'as mis quoi? Pareil que moi? Je crois que j'étais contre. Ouais, il a mis contre. Et puis du coup il part plus. Après on voit qu'il part de la team. On fait pas qu'est-ce qui se passe. Puis Fred il dit oh qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as encore fait avec Jérémy? Tout ça, je fais, ben, j'ai rien fait moi. C'est dans les vidéos quelquefois, même avant de tourner des vidéos, Jérémy et moi on se prenait la tête quelquefois. Et là on comprend pas pourquoi il a décidé de péter un câble. Bref, bah maintenant on a. Une autre personne en espérant qu'il fasse pas une Jérémy numéro 2. Bah ouais, parce que pour l'instant. Oh putain, je suis passé à Laurent. C'est pas grave. Est-ce que t'as un mot à rajouter sur. Sur le cas Jérémy? Bah non, mais bon, tout ce que je comprends pas, c'est que. Comment ça se fait qu'il s'est amusé à me bloquer sans que. C'est tout, hein. Et il m'a dit aussi, parce que quelquefois, oh, parce que j'ai marqué pendant les vacances, est-ce que tu joues à ETS? Il me fait non, je vais faire mon parcours tout seul, bah, parcours YouTube. Je sais pas, d'accord. Ah, je sais qu'il voulait faire son truc des langues là, à un certain moment. Ouais, moi aussi. Donc, Mais je pense pas. Et après, parce que vu qu'on l'a sur Steam le jeu, bah moi je l'ai, je sais pas si Fred l'a sur Steam. Si, si. Et ceux qui sont connaisseurs sur Steam, Fred, Nanto, et bah à chaque fois par exemple, si vous avez, je sais pas, Alfred qui joue à un jeu, et vous pouvez le voir sur le côté de l'écran, et moi ça me mettait ça à chaque fois. Qu'est-ce qu'il fait Puis comme je savais qu'il allait recommencer YouTube, j'ai dit cool, je t'ai vu jouer à des jeux, tu vas recommencer YouTube. Il fait oh non, vu que il a mis, si je m'en rappelle bien, il a fait c'est pas parce que je joue à des jeux que je fais des vidéos, ça me saoule à la fin. Alors que moi je lui demandais gentiment parce que voilà. Mais après voilà, bon, on est toujours, j'espère qu'on est toujours amis, mais ce qu'on comprend pas près des mois, c'est ce qu'il a fait. Bah, est-ce que c'est pas comme la dernière fois, comme, parce que la dernière fois on s'était pris aussi la tête, mais là c'était parce que il était en manque de cigarettes. Ouais, mais je pense pas. Après on verra. Bon, en tout cas, s'il y a des nouveaux, on vous le redira. En tout cas, ça m'a choqué Fred et moi. Bah oui, parce que. Bon, en tout cas, maintenant on a un nouveau membre. Bon, il jouera pas trop avec nous parce qu'il travaille. C'est Mas227 d'ailleurs, sa chaîne en description. Allez tous vous abonner pour au moins qu'il ait 50 abonnés, c'est un ami à moi. Je l'ai aussi Ansi. Non, ça n'existe pas Ansi. Je l'ai aussi lancé sur YouTube. Puis maintenant il fait des vidéos mais il arrête. Je vais le relancer parce que. C'est pas parce que je veux de la concurrence, c'est parce que il fait de belles vidéos. Et avec nous, on rigole toujours dans la team presque, alors ça pourrait.
signe encore à rajouter, Fred, sur Jérémy ou sur l'autre? Non. Bon, du coup, bah moi et Fred, on vous dit à tout à l'heure quand on se retrouvera, quand on sera en Allemagne. Allez, à tout de suite. Alors là, je filme au cas où parce que vu que le camion 88 il fait n'importe quoi, il fait des zigzags. Au moins, s'il me fout en l'air, j'aurai une preuve. Et là, il roule au milieu de la route. Ah ouais, d'accord. Bah, moi, je viens de le doubler, mais tout à l'heure, sur la portion en boucle, là, au lieu de rouler à 50, il roulait presque entre 30 et 40. Moi, je roulais à 50, là, je suis à 90. Alors, quelquefois, si vous entendez des bip bip, c'est normal. C'est parce qu'on passe. Attention, camion 88, j'arrive. Ouah, qu'est-ce qu'il fait? Il est bourré ou quoi? Pourquoi? Mais il fait des zigzags. Non, non, non. Non, mais il va me faire caler. Mais il est derrière moi, là. Oh, putain. Il bug! Ah, ça mérite qu'on passe le permis pour eux. Oh. J'ai une reprise assez folle. Putain, il roule au milieu de la route, cet enculé. Pardon. D'accord. En fait, j'ai doublé pour rien. En tout cas, désolé pour les gros mots. Allez, on se retrouve en Allemagne. Donc voilà, comme vous voyez au fond, on est en Allemagne. Et en Allemagne, il y a du monde, hein, Fred? Ouais. Donc, à tout de suite. Quand on sera... Eh, c'est quoi ça? Regarde. Wouah! 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 Mais quel fils de chien! Carrément, c'était quoi ce truc? Mais moi, je l'ai mis rentré dedans! Regardez. Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé là, l'aube. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Ok. Allez, on va dépasser Fred avec son beau petit camion. Oh, oh là, attention derrière toi avec sa cisterne là de 0,7 là. Je sais pas ce qu'il était en train de faire, mais. Il était pas à 80. Hein. Fais gaffe, t'en as arrêté! J'ai rêvé ou il a fait boum badaboum sur un autre camion? Non, il a fait boum badaboum. Il a fait boum 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 tam tam. Non, mais c'est celui-là qui m'est rentré dedans. Donc voilà, à cause de l'accident du mec qui m'est rentré dedans, il faut regarder en bas à droite. 8% de dégâts sur un mort, je voulais faire 0% de dégâts. Voilà. Voilà. Donc voilà, quand quelquefois je râlais avec Fred, c'était des guignols. Voilà. Donc on se retrouve c'est à Cassel. Et pour je me suis info, arrêté et j'ai mis mes warnings. Ouais, mais idem. Pour info, Fred pour, et moi, on roulait bien vite. Allez, on se retrouve à Cassel et s'il y a d'autres accidents comme ça ou d'autres qui courent, je lance l'enregistrement. Donc. Voilà, Fred et moi, on est arrivé à Cassel. Oh, punaise, ça passe pas. Hop. Alors, désolé, je suis pressé. Ça va plus vite pour faire la livraison, hein, c'est plus rapide. Hein. T'as pris mon emplacement? Hop, voilà, tac, 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 tic, tang, tong, tang, swing, shang, ching. Ah, c'est zigou zigou ça. On va vous montrer quand même le camion. Là, on prend un truc, je m'avance et je me déplace. Chargement en cours, dimanche 9h45, livre comme l'heure. On parle à l'époque que ma livraison a été prise en compte. Hein? Ma livraison, si elle a été prise en compte pour l'entreprise. Ouais, ouais. Raisonnable. Tac, tac. Oh, putain. J'ai que 621 XP à cause de l'autre PD. Voilà. Attends, on va vite faire montrer nos camions. Attends, on est fait, c'est quoi ce bordel, hein? C'est bizarre le truc, comment ça fait au fait,
là quand même, il y avait. On est juste là pour pas de fenêtre qui passe sur moi là. Voilà. Alors voilà. Je vais mettre un main. Il a le camion conversationnel. Oui, il y a moi. En noir et or, c'est ça? Oui, très bien. Ouais. On va prendre une petite photo, oh. Une miniature. Ouais. Je te dis à toutes. Bah attends, je prends juste la photo vite fait, j'en ai pas pour longtemps. Donc, voilà, allez, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Et sur ce.